Alors, attention, qui est-ce qui va se franchir la ligne d'arrivée en premier? Oui, c'est bien le jeune licencié au triple d'amour. Le jeune licencié au triple d'amour qui est Antoine Devoise. Antoine, bravo Antoine. Nous suit ensuite le jeune Iwan Guérin, pardon, de l'USS. Bravo Iwan. Et enfin pour la troisième place, attention, ça se bat. Oulalalalala, attention. Baptiste Ménager. Et la première féminine, qui est Rosalie Nicolas-Chick. Nous avons ensuite Anna Sandrine, qui était la deuxième féminine. Et la troisième féminine, qui est Thalys Leclerc, qui vient du Best Triathlon. Le sprint se joue jusque sur la ligne finale. C'est beau de voir ça. Ça se bat fort, fort, fort. Nous avons l'arrivée de Tom Tanderet qui arrive. Bravo Tom. Regardez-moi ce sprint là qui est lancé par le numéro 2. Lucas Rocher qui nous vient de Saint-Étienne dans le Luc. Bravo Lucas. La numéro 12. Iwan Barra. Bravo Iwan. Et enfin, Manon Loray qui nous vient aussi de Corail Triathlon. Corvaris était en force là sur cette épreuve, hein. On voit du jaune et noir, c'est chouette ça. Pardon. Là. Tu fais le podium maintenant et tu lances la course après. Alors on va maintenant lancer la course des 12-15 ans. Les 12-15 ans, eux, vont pouvoir avoir le brief de Raph pour la preuve. Donc là on va avoir les 12-15 ans, donc forcément un peu plus d'âge, un peu plus de vitesse, un peu plus d'explosivité. Et aussi un peu plus de maîtrise aussi de la machine, du vélo. Des transitions qui seront certainement aussi un peu mieux assurées. On a déjà un petit peu plus d'expertise, d'expérience dans les épreuves. Les 12-15 ans ont enchaîné 1 km de trail, 4 km de VTT et 800 mètres de trail. Ils sont sur cette épreuve 19 inscrits. 19 inscrits et ils viennent d'horizons différents, parce que là, SPTT d'Angers, le Best Tri Saint-Nazaire, le Corps Marin Triathlon, le Tricot d'Amour, l'UACS, donc l'UA Concours Saint-Nazaire bien sûr. Nous avons aussi des représentants du FNLS 44 bien sûr. Ils sont chauds, ils sont chauds. Raphaël est en train de les griffer. N'hésitez pas à les encourager. On peut les encourager très très fort bien sûr. Les 19 compétiteurs sont sous l'arche Endurance Shop. Ils sont prêts à les s'élancer pour encore une fois 1 km de course à pied. Ensuite, une fois qu'ils seront rentrés dans le parc à vélo, ils vont pouvoir enchaîner sur les 4 km de VTT. Et enfin, ils finiront par 800 mètres de trail. Donc on va vous dire que c'est vraiment très 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 explosif. Les vacances sont vraiment des belles découvertes pour les jeunes, de la compétition, des sports enchaînés,
Alban, Alban, on t'appelle, est-ce que tu peux faire l'ouverture de la course? Alban? Alban, si tu es dans le coin, on t'attend pour faire l'ouverture de course, s'il te plaît. Merci, Alban. Faudrait pas qu'on t'épuise, quand même. Alors n'hésitez pas à encourager les jeunes qui vont passer devant vous. Hein. On sait que les encouragements, ça nous permet de nous surpasser. Et les jeunes, même s'ils ne sont pas là pour enfiler des perles, et ben, ils ont besoin d'encouragement. Dans l'intervalle de cette course, je vois les différents licenciés et les compétiteurs de cet après-midi venir retirer leur dossard. Une fois que ça retiré, ils vont pouvoir s'alimenter, se préparer, rentrer dans la bulle de la compétition cet après-midi. Pour la majorité d'entre eux, ça va être le premier triathlon de la saison. Donc un premier triathlon de saison, c'est toujours quelque chose de particulier. Il faut se remettre à nager en eau vive. Certains d'entre eux, ils n'ont pas encore eu l'occasion. Attention, départ de parti. C'est parti donc pour 800 mètres de trail. On encourage l'ensemble de ces jeunes avec en tête de course le numéro 14 et le numéro 7. Le numéro 14, Hugo Le Courtois et Quentin Mondo qui nous vient du Tricornas. Donc là, 800 mètres de trail. Ensuite, ils vont enchaîner avec 4 km de VTT.